Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Moi, je Bien, me porte, oui, moi je suis en train de... Oui, là je suis en train de parler à mes loulous. Moi, je me porte super hyper bien. Tonton n'a pas, non, appelle Kaïdoudou. J'ai lancé mon direct et il est là seulement pour commenter. Mais loulou, vous savez que là, en ce moment, il y a le songi-songi du côté du Congo. Mais comme beaucoup d'entre vous ne comprennent pas Lingala et que la majorité de mes ex-beaux, eux, ils parlent seulement en Lingala, bon, je pense que beaucoup ne sont pas au parfum. Beaucoup ne savent pas exactement ce qui se passe là-bas. Donc, je vais un peu vous raconter. Attendez, je vais mettre... Donc, on va déjà écouter un peu. Donc, il y a certaines personnes qui étaient au tribunal. Et, Dieu merci, ces personnes-là parlent français. Donc, vous pouvez écouter. Attendez, je vous mets ça. Français de profit s'arrête que au problème, en fait. Parce que des questions simples et succinctes qu'on lui a posées, le monsieur n'a pas su répondre. Il s'est étalé, mais d'une façon incompréhensible. Même nous, on n'a pas compris, mais qu'est-ce qui se passe? Soit il est déstabilisé, soit il a un souci, soit il a un problème, soit il est minuit, je ne sais pas. On est resté de 16h jusqu'à minuit, on n'a rien du tout eu à manger. Ce monsieur, ce qui m'a choqué à ce monsieur, on lui pose des questions par rapport au viol. Mais le monsieur se lève pour commencer à accuser tout le monde. Oh oui, la petite fille qu'il a violée à l'âge de 14 ans, là, il vient, il fait, oui, mais son acte de naissance, c'est un faux. Parce que de toute façon, à l'ambassade, ils ont justifié que c'était un faux acte de naissance. Eh bien, l'autre là-bas... Donc, en fait, je suis en train de... Et donc, elle raconte ce qui s'est passé lors du procès. Nous n'étions pas au procès. Mais vous savez, quand quelque chose vient se retrouver sur la toile, nous donnons notre avis. Donc, nous n'étions pas au procès. Donc, là, elle est en train de nous expliquer. Donc, elle nous explique que notre Mopao Mokonzi, pour se défendre, disait que la fille, là, n'avait pas 14 ans. Bon, nous savons qu'en Afrique, généralement, il y a beaucoup de personnes qui coupent l'âge. Bon, Mopao dit que la fille, elle n'avait pas 14 ans. Écoutons. Son enfant à Botimouana, et l'enfant en question, elle a fait déclarer par chez un autre monsieur. L'enfant n'est pas de son mari. Il a commencé à accuser les danseuses comme ça. L'autre a eu un enfant avec un. Donc, Mopao est parti casser les papos au tribunal. Donc, apparemment, Mopao est parti dire tous les secrets qu'on ne dit pas. Il est parti verser ça là-bas au tribunal. Écoutons, parce qu'il y a même d'autres qui ont dit qu'ils ont enceinté une fille à deux. Moi, je fais seulement le... Avec quelqu'un d'autre, mais elle a fait déclarer son enfant chez un Français pour avoir les papiers. L'autre là-bas, elle a une acte de naissance qui est faux. L'autre là-bas, elle se faisait violer, coucher déjà avec Jibem Piana avant que moi je la récupère et que je couche avec elle à l'hôtel. Le président. Ah, ça! Les filles souffrent dans les mains des musiciens. Donc la fille, elle est partie, elle faisait d'abord avec un autre musicien, puis lui, il est venu, il a seulement arrangé. Nzambe Nangaï, vraiment, Songi Songi est compliqué. On avance. La République congolaise, maman, le président de la République du Congo gagne 2 800 000. Et comment s'appelle, le peuple congolais gagne 50, 5, 5 dollars par mois, 50 dollars par mois. Moi, je les paye 150 dollars, donc lui, il le paye mieux. Ah là Vous vous là. rendez compte un peu? Le mec qui dit, oui, mais moi je gagne 50 000 dollars, 50 000 euros par mois, 60 000 euros par mois. Mais tu payes tes danseuses 150 dollars. Alors que tu gagnes 50 000. 50 à 60 000 euros par mois. Par mois. Et ces danseuses-là, lorsqu'elles viennent ici, on leur donne 150 euros. Elles sont obligées d'envoyer 70 dollars chez leur maman. Et rester avec le peu qui leur reste, avec tous les besoins de femmes que nous on a, quoi. Et ils peuvent rester pendant 6 mois. Et les 6 mois, si tu couches pas avec lui pour aller au concert, s'il y a 6 concerts, et ben tu n'auras pas tout le salaire en fait. Parce qu'il les paye que par rapport au concert qu'elle vend en fait. Et quand elle refuse de coucher avec lui, et ben ils seront pas au concert. Donc les 150 euros, elle l'auront pas. Donc elle peut se retrouver pendant 2 mois sans rien en fait. À moins qu'elle aille coucher avec eux. Avec lui encore, pour qu'il puisse leur donner 200 euros. Le mec, il paye plus les danseuses
chanceuse lorsqu'ils couchent avec lui que lorsqu'elles vont travailler, au fait. Parce que le travail, ça coûte 150 euros. Mais par contre, quand elle va, quand ils vont faire les soi-disant courses, parce que c'est comme ça qu'elles ont appelé ça, oui, Kofi Olomide, on venait nous chercher pour aller faire les courses. Mais c'était quoi les courses? Bah, c'était aller à l'hôtel. Voilà. Mais c'était parce qu'elles allaient à l'hôtel avec Kofi, c'est ça qu'elles appelaient les courses. Et ces courses-là, lorsqu'elles allaient faire les courses avec Kofi, c'est là que Kofi, bah, si elles essayaient de la malouer un petit peu, oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, Kofi leur donnait 200 $ pour aller acheter un manteau, plus que leur salaire, en fait. Et ça, ça m'a outré. Et ce mec-là, oui, il les a séquestrés parce qu'apparemment, bah, l'homme là, bah, poignée, il y a fenêtre, tous les poignées de fenêtres chez Kofi à Agnières. Ils étaient enlevés, elles ne pouvaient pas pour les empêcher de sortir. Oh. Il y avait 3 hommes qui étaient dans cette maison-là, qui les surveillaient. Et lorsque un partait et laissait la clé à l'autre, l'autre arrivait, l'autre partait et laissait la clé tournait entre les trois hommes qui habitaient au rez-de-chaussée dans un salon où il n'y avait que les matelas où les hommes la dormaient. Maman Nangaye. Et elle devait rester là clouée entre 4 murs. Donc voilà, peuple congolais, vraiment makambo o toyoki awa eza somo Kofi aza mutema mabeba ndeko na ngai. Kofi c'est pas aza mututé. On va attendre pour le 13 décembre toyeba qu'est-ce qui va se passer. Attendez, il y a un autre encore, hein. Allô les amis, vous voyez, hein, je suis toujours en direct de la cour d'appel de Versailles. Donc voilà, Kofi avait piqué une crise. Donc le procès vient de reprendre. Les juges aussi. Hein? Donc les juges ont dit qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Parce que Kofi veut à tout prix qu'on le laisse, qu'il rentre. Donc nous sommes encore là, on va attendre. Dans le procès là, jusqu'à 22h. Curieusement, les amis, parce qu'il y a des combattants qui sont dans la salle, qui sont en train de nous donner des informations en temps et en heure. On vient de nous appeler pour dire que Kofi Olomide vient de balancer Jibem Piana. Il vient de balancer Jibem Piana. Kofi Olomide dit que nous les musiciens congolais, on est tous comme ça. Qui est vraiment comment voilà là bas je peux le songer l'angoua kuna kaiden l'angoua se retrouve dans la merde. Il demande qu'on interpelle aussi Jibé, soit disant que Jibé Piana viole aussi ses danseuses. Oh, il paye pas comme une fois ses danseuses. Il fait ça compliqué. Oh, oh, il y a pas l'en français toi aussi. Donc Kofi Olomide ne veut pas tomber seul. Il a cité le nom devant la barre de Jibem Piana. Il dit que Jibem Piana aussi maltraite ses danseuses. Donc c'est grave. Aussi a violé ses danseuses. Jibem Piana aussi a fait avorter Nono Badiama. Ils avaient senti Nono Badiama tous les deux ensemble. Oh. C'est Kofi qui a dit ça, c'est pas moi. C'est Kofi. Jibem, moi, j'ai pas de problème contre toi. Je suis un chef coutumier. Un chef coutumier doit être et censé être exemplaire. Comment deux personnes peuvent enceinter? Hey! Comment deux personnes peuvent enceinter? Maman Nangaye! Dossier vraiment est compliqué. Ah! Yaya Olobinini, attends, on va écouter encore. Jibem, défends-toi. Sinon. Ah, les combattants, ils ont ma bien, hein? Il est temps de loin, hein? Défends-toi. Sinon, si tu viens ici, si tu viens en France, ils vont t'attraper. Il dit, vous avez l'habitude de faire ça ensemble. Et quand vous venez pour les concerts, c'est que ça vous faites. Ouais. Vous venez spécialement rien que pour ça. Voilà. Chacune a 5 femmes dans le lit. Partout, c'est ça, dangereux. Kofi Olomide, nos amis qui sont à l'intérieur de la salle, parce qu'on ne peut pas faire rentrer tout le monde, il n'y a plus de place, par mesure de Covid, donc nous, on ne peut pas rentrer. Kofi Olomide a piqué 2 fois la crise. Il a encore repiqué une crise là, parce qu'on a sorti son dossier depuis le début. Songi, c'est ça, dangereux, c'est ça, compliqué. Maman!
pointé. Et ça, vraiment compliqué. Donc, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Hein? Quand il dit que le milieu des artistes est d'abord compliqué, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ces filles-là connaissaient ça. Moi, je ne suis pas en train de juger. Hein? Mais je me fie à ce qu'on est en train de nous dire cela. Quand je le dis assez souvent, le milieu des artistes, c'est un milieu compliqué. Même les artistes, ils se fimbou entre eux. J'ai dit même les artistes, que ce soit seulement, pas seulement au Congo, même chez nous là-bas au Cameroun, fimbou les artistes. Mais, ah, quand ce qui se passe là-bas, je vous dis que c'est très compliqué. Il faut être dans la chose pour comprendre. Donc, voilà ceux qui disent que, les gens ils sont en train de dire que, ah, Kofi là-bas, il n'a dit qu'il n'était pas seul. Donc, ils étaient plusieurs artistes qui font la même chose. Vraiment, le dossier, il est très compliqué. On peut pas vraiment... Moi, personnellement, je peux pas vraiment donner ma bouche là-dedans. Parce que vraiment, c'est pas facile. Donc, les filles, maintenant, elles réclament 75 000 euros chacune. Qui a envoyé Mopa? Mopa, nous, on était à connecter, on attendait l'arena. Qu'est-ce que... Je ne sais pas, les Meloulou, vous avez un peu suivi. Comment ça a dérivé entre l'annulation de l'arena, les juges et le tribunal? La perruque, c'est en noir, c'est 96 euros, 20 euros pour la coloration comme ceci. Donc, je disais, je ne comprends pas comment l'arena, ça a dévié et maintenant, c'est le tribunal. Attends, il y a un que je dois bloquer. Oh putain, mais comment on fait pour bloquer encore ici là? Ok. Harcèlement. Ok, c'est bon. Bloqué. Ok, j'ai bloqué Martinez. Il va aller s'amuser autre part. Quand j'ai dit que les milieux des artistes là, c'est très compliqué. Ce n'est pas seulement chez les Congolais qui a Fimbou na Fimbou. Hein? Hein? Il y a un artiste ivoirien qui a quitté de chanter et être dans le milieu des artistes. Il disait que ce qui se passe... Ah! Moi, je vous dis que les artistes, quand ils se retrouvaient dans les milieux fimbou na fimbou, ce n'est pas seulement au Congo, hein? Ce n'est pas seulement au Congo. Mais c'est comme ça. Quand dans le monde artistique du cinéma, là, quand tu veux percer, le producteur te dit « Allonge-toi ». Allonge-toi et puis je veux voir ton dossier en profondeur. Donc, s'il ne voit pas ton talent en profondeur, ah, contrat Esa Mabé. Donc, ça se passe déjà comme ça là-bas. Toi, tu es une jeune fille, tu es passionnée. Tu dis, ah, tu es vraiment passionnée. Ok. Je veux voir ton talent en profondeur. Déshabille-toi. Tu dois d'abord te déshabiller. Si les seins sont pointus, là, il commence à valider ton dossier. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup. Regardez celui-ci. Non. Oui. Viens le tirer, vous partez. Je suis en train de parler. C'est là que c'est un gars qui enregistre trop les choses. Allô, viens. Demain, il va commencer à dire que j'ai dit que les seins sont pointus. Attrape-le, vous partez. C'est un gars, il bavarde trop. Mets le pot. Regarde sa couche là, non? Il semble qu'il a déposé quelque chose dans la couche là. Allez, sors. Donc, dans les milliers artistiques, c'est compliqué. Si tu as un talent, il faut d'abord que ton talent envoie ça en profondeur. Moi, une fois, on m'a dit qu'il y a une artiste, là, on l'a amenée à l'hôtel. Et puis, arrivé à l'hôtel, là-bas, le producteur, il a là-bas derrière. Et puis, c'était compliqué. Les dégâts étaient collatéraux. Donc, milieu artiste, c'est très compliqué. Là, tu as entendu, il dit qu'il n'est pas seul. Mais est-ce que c'est étrange? On sait que la majorité, tu dois d'abord, tu écartes. Si tu n'écartes pas, y a rien de compliqué là-dedans. Ça, on le savait déjà. On sait déjà. Donc, il n'y a pas de quelque chose qui sont en train de nous dire que nous, on ne savait pas.
Mais ça, on sait déjà. Mais ce que moi, je ne comprends pas, mais Yaya, il faut que vous venez m'expliquer. Parce que le dossier, vraiment, est compliqué. Oh. Donc, on nous dit que le grand Mopa Omo, comme s'il est arrivé au tribunal, ah, tous les secrets, il a versé. Oh, l'autre, il a diminué son âge. Il n'avait pas 14 ans. Et ça, la caisse, ça, la cabanini, banini. Et puis l'autre, elle n'avait pas les papiers. Elle a reconnu son âge. Ah, yaya, toi aussi. Comment tu peux aller dire ça là-bas? Ah! Comment tu peux aller dire ça là-bas? C'est pas bon! Donc vraiment le dossier est compliqué. C'était mieux que mon père, lui, il restait à Kinshasa. Parce que vraiment, maintenant là, ah, 75 000 euros chacune. Non, pour une fois, vous avez l'habitude qu'il y a le songi, songi chez les Congolais, on ne peut pas écouter. Et ça, c'est vraiment très compliqué pour nous qui aimons le songi, songi. Bon, heureusement, vous savez que moi, je suis une ex congolaise. Mais vous savez aussi que les Congolais, elles ont trop les masoko. Elles ont trop les yaya fringue, vraiment. Donc, quand ils voient, ils se disent, ah! Hey, Yamado! Hey, Yamado! Maman, hey, Yamado! Donc, quand ils voient ça, là, ça les trouble. Ils sont troublés. Attendez, on écoute encore. Parce que vraiment, moi, je vous rapporte seulement ce qui s'est dit, hein. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Parce que français, c'est compliqué. Il ne faut pas que demain, on dise que, oh, il y a une fille là-bas, une Camerounaise, elle a dit que, mon père, Eza. Non! Vraiment, on a évité. Ce n'est pas moi qui dis. C'est les Congolaises, là, c'est ça qu'elles sont en train de dire. On va écouter. Donc, les juges sont en train de scruter la vie de Kofi de A à Z. Vous savez comment ça se passe. Donc, ils sont en train d'analyser la vie de Kofi ces 10 dernières années. Ils sont en train d'analyser lui qui a une carte de 10 ans, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Monsieur Mick Emmanuel, on va mentir pourquoi? Tu penses que moi à cette heure-ci, il est 20h, je ne dois pas aller m'occuper de mes enfants? Aïe, aïe, Kanga dit, continue! Tu veux, quand on te met les vidéos de ceux qui sont à l'intérieur, sont en train de nous envoyer? Oui, il y a des combattants qui sont à l'intérieur. On entend. Il y a même un Congo qui est à l'intérieur. Hein? La preuve, on est nombreux. On a des femmes qui sont là-bas qui nous envoient les vidéos. Qui nous envoient les rapports de tout ce que Kofi est en train de dire. Il y a les vidéos là. Tu veux que je te fasse entendre les vidéos? Tu as vu ma tête là? J'ai la tête à m'amuser. On est là de témoins. Le procès. Mais les Congolais, ils aiment trop les femmes. Oh! Les Congolais, ils aiment trop les femmes. Un jour, j'ai porté un Congolais dans ma voiture parce que souvent, je fais le covoiturage. Il me dit, oh, il aime trop la chair. Quand il dit, il aime trop la chair, ça veut dire que lui, il aime vraiment na frottement, na contact avec le corps, quoi. Ça, il adore ça. Il me dit, oh, petite Nangaï. D'abord, il me dit petite. Donc, petite Nangaï, la norme, il doit même pas me draguer. Donc, le tonton, il me dit, ah, il y a petite. Moi, on a quitté quoi. Il me dit, ah, yaya, moi, je suis mariée, j'ai 6 enfants. Ah, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'aime la chair. Il dit, tu aimes la chair comment, yaya? Faut bien m'expliquer comment tu aimes la chair. Ah, petite, toi aussi, tu as 6 enfants, c'est pas un enfant. Donc, tu peux comprendre ce que je peux ressentir pour toi. Il dit, oh, tu ressens déjà les sentiments. Ça fait quelques minutes que tu m'as rencontré, tu ressens les sentiments. Mm-hmm. Bon, alors maintenant, le tonton, il me dit, ah, moi, j'ai une femme à la maison, mais vraiment, ah, c'est ça, ils sont tombés. Il a dit, ah, mais si c'est ça, ils sont tombés, pour moi aussi, ils sont tombés. Il a dit, ah, ça peut pas être tombé la même façon que je vois ça là, ça peut pas être tombé. Moi, je suis toujours dans l'amusement, j'écoute, je rigole, il dit, ah, maintenant, madame est à la maison, il est peut-être la 5 ans, il dit, ah, quand tu lui donnes un coup seulement, elle est fatiguée. Moi, je ne peux même pas faire 2 coups. Souvent, j'aime faire les 1 coup, 2 coups, 3 coups. Mais madame à la maison, elle aime les seulement les 1 coup. Ah, moi, je veux faire. Je dis, Yaya,
là. Donc, comme tu me vois là, c'est sur moi, tu vas déborder pour tes coups. Il dit, ah, mais toi, tu es encore, tu es en forme. J'ai dit, Nzambe, Congolais. Les Congolais, ils aiment trop les femmes. Donc, c'est alors comme ça que il me dit que non, on papote, je le dépose à sa destination. Ah. Maintenant, je reste, mon téléphone sonne. Ah. Petit Nanga, il m'a ah, il a dit, ah. Je suis là, tonton, Olobinini. Il dit, ah, mais vraiment, je pense à toi. Tu penses à moi? Oui, moi, je pense à toi. Je dis, oh. Tu penses à moi comment? Attendez. Allô? Il a dit, tu penses à moi comment? Il dit, ah, vraiment, tu me plais, tout ça. Mais il dit, mais tonton, tu n'es pas marié. Il dit, on est seulement marié à la coutume. On n'est pas marié à la mairie. Il dit, ah! Regarde, tonton, il a laissé sa femme et ses enfants à la maison. Pour me dire qu'il n'est pas marié à la coutume, hein? Il est seulement marié, il n'est pas marié à l'église, ni à la mairie, il est marié seulement à la coutume. Eh! Hey! Les Congolais aiment la chair. Ils aiment le contact. Ils aiment ressentir la chaleur. Donc vraiment, ça là, ça ne m'étonne même pas. Hein? Non! En fait, le covoiturage, là, il a ton numéro. Quand il paye son covoiturage, il peut avoir ton numéro. Donc, c'est un moyen de transport. Quand il paye ton covoiturage, tu peux avoir ton numéro. Attendez, je vais mettre le numéro pour ceux qui veulent intervenir. Attendez, 00-33-767-77-45-34. Voilà, donc, attendez, ça va. Attendez, ça va s'afficher. Donc, si vous avez des aventures, on va discuter. Vous pouvez intervenir si vous voulez. Des aventures avec les tontons congolais, il faut nous dire. Et le problème souvent même avec le Congolais, c'est quoi? Que dès qu'il te rencontre, il dit, ah, oh, dans sa tête déjà, il directement pense que toi, tu es congolaise. Donc même si tu es, ah, oh, osa congolaise. Yo, vraie chérie, osa congolaise. Ah, oh, ah. Oh. Vous savez souvent même, bon, les congolaises, elles ont une façon souvent de... Elles aiment beaucoup les couleurs. Elles aiment beaucoup les perruques en couleur. Les mèches noires, là, c'est pas trop leur délit, les mèches noires. Les congolaises, là, c'est vraiment les mèches de couleur. Donc, alors, quand tu fais tes mèches de couleur, là... Attendez. Allô? 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 Après, si c'est pour déranger, moi, je bloque, hein. Moi, je ne rigole pas. Ah. Mais moi, je suis une Congolaise, vous savez pas ça? Ah. Avant, moi... Et moi, j'étais avec un Moulouba. Vous connaissez les Moulouba? Bon, après, j'étais... Mon premier amour, c'était... Allô? Bon. Numéro bloqué. Mon premier amour, c'était un Moulouba. Attendez d'abord. Bon, mon premier amour, c'était pas un Moulouba, c'était un Braza. Après, je suis quittée à Brazzaville et puis je suis allée à Kin avec un Moulouba. Là-bas, il aimait souvent quand je fais le Bundumba Deso. Le Brazzaville, lui, il aimait le Sakasaka. Le Congolais, lui, il aimait le Madesso. Il aimait la Chikwang avec le Makayabu. Il aimait aussi les Mbinzo. Binzo. Voilà, les chenilles, là. Ouais, il aimait ça. Il aimait aussi les Safou. Mais les Mouluba, c'est des casse-têtes des Mouluba. Ah, les Mouluba, non, faut laisser. Faut laisser. Ils aiment trop les femmes, les infidèles. Le gars, il m'avait laissé. Comment c'est fini? Le gars, il m'a laissé. Il est allé à Kin. Il dit, ah, je m'en vais faire les vacances. Arrivé là-bas, son cousin a pris les photos. Il est identifié. Il était dans les bras d'une vraie chérie, quoi. Et puis, il m'appelle, non, c'est toi, ma mère a parlé à Longwa Kuna. Quelle mère a parlé? Je suis ta mère a parlé. Et puis, toi, tu me trompes à Kinshasa. Jamais. C'est comme ça que la relation, elle est terminée. Bon, après, c'était vraiment... C'était fusionnel. Bon, après lui, là, après le Moulouba, là, moi, j'ai arrêté avec des Congolais. C'était fini comme ça. Fini. Parce que j'ai fait Brazzaville.
Attends, attends, il y a un Congolais qui m'appelle. Yo. Oui. Oui. Olobinini. Olobinini. Bonjour, Salamini. Tu es en direct, je te rappelle. Moi-même, mon premier était en Congolais. Ah! Non, les Congolais, c'est des menteurs! Des menteurs! Et, ah, et ils aiment trop les femmes! Trop! Ah. Donc, quand j'ai fini, j'étais d'abord avec le Brazzavillois. Eh, le Brazzavillois. Même jusqu'à maintenant, bon, vous savez, le premier amour, c'est quelque chose. Quand j'ai fini avec le Brazzavillois, maintenant, je suis avec enfin, j'ai fait le quinoa. Le moulou, bah là, mais lui il m'a montré toutes les couleurs. J'ai dit, ah bon, c'est fini. J'ai mis la croix directement sur les Congolais. J'ai dit, bon, je m'en vais au Cameroun. Bon, au Cameroun, j'ai fait les deux que vous voyez là. Bon, la déception elle est égale. Hein. Bon, maintenant je vais aller, je sais même pas. Franchement, on a habité. Je vais aller au Japon même bientôt. Hein? Bientôt, je vais aller au Japon. Ah. Tu es Congolais. Non, 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 non. Hey, regardez, je vous explique un jour. Vous savez, à force de marcher avec des Congolais, tout ça, moi, eux, les Congolais, ils parlent Congolais tout le temps. Donc, comme ils parlent Congolais tout le temps, moi, je commençais je comprenais, je disais des mots, tout ça. Et on est en voiture, je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire. On est en voiture et tout. Et le gars, il regarde une meuf et tout. Et après, il dit quoi? Il dit à son frère, hé, hey, Yans, t'as la Masoko. Hé, hey, ma vraie chérie, hein. Hé, hey, lui, c'est pas que moi, je suis en train de comprendre. Hé, hey, Yaya Fwinge. Il sait pas que moi, là où je suis en train de comprendre. Quand on rentre, je lui dis, mais toi, tu as dit quoi qu'on était dans la voiture là-bas? Mais j'ai rien dit. C'est l'autre qui disait, il a dit, ah bon. Ça, tu crois que moi, tous les jours, vous parlez, je crois que moi, je suis bête. Tous les jours, vous parlez. Maintenant, moi, je comprends. Depuis ce jour-là, ils ont arrêté de parler Lingala à côté de moi. Parce qu'ils avaient dit, ah, c'est mort. Aïcha, déjà, elle comprend. Ben oui, je comprends. Si tous les jours, vous parlez Lingala, tous les jours, vous parlez Lingala, ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, je comprends. Ben, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Et là, pas, ils ont arrêté. Ils ont dit, ah, mais vraiment, c'est dangereux. Parce que du coup, ils ne pouvaient plus faire le songi songi à côté de moi. Je comprenais tout. Ils ont arrêté. Et depuis que je ne suis plus avec les Congolais, il y a d'autres mots que j'ai oubliés. Mais je comprenais tout. J'ai dit tout. Tu ne pouvais pas faire le songi songi à côté de moi. Je parlais quelques phrases, je disais des phrases, mais je disais tout. Tu ne pouvais pas parler à côté de moi. Donc, bon, maintenant, je me rappelle encore quelques petits trucs. Si tu parles doucement, je vais comprendre. Mais si tu vas, si tu roules le Lingala, je vais pas tout comprendre. Voilà. Voilà, donc Beloulou, vraiment, l'histoire de Kofi, c'est trop compliqué, pardon. Regardons seulement, observons seulement, parce que les histoires là, on sait que dans le milieu artistique, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce milieu artistique. Que ce soit normal ou mystique, il y a énormément de choses qui se passent dans le milieu artistique. Ça, je vous le dis, il y a trop de choses qui se passent dans le milieu artistique. Donc du coup, c'est même pas, il est coupable, il n'est pas coupable. On n'a pas les tenants, on n'a pas les aboutissants. Seule la loi pourra décider avec les éléments qu'ils auront en main. Mais bon, ça n'empêche que Mopao reste une légende. C'est Mopao, Mokondi quand même. Enfin, ça n'excuse pas que s'il est coupable, qu'il puisse purger sa peine ou quoi que ce soit. Hein. Mais ceci dit, c'est notre icône, quoi. C'est l'icône. Ce n'est pas le Congo seulement, c'est l'Afrique tout entière. Il nous a bercé, enfin, qui en Afrique ne connaît pas les chansons de Kofi? Donc, c'est aller au-delà de l'Afrique, quoi. C'est Mokonzi, c'est lui, quoi. Bon, il était 4 fois Koraman, non? Oui, je pense qu'il a dépassé même ça. Hein? Donc, bon, c'est un peu triste ce qu'il vit en ce moment. Mais nous, on n'a pas encore les tenants, on n'a pas encore les aboutissants. Bon, tout ce qu'on peut le souhaiter, c'est que la vérité règne, quoi. Que la justice soit rendue et que la vérité règne et que voilà.
beaucoup de courage aux victimes, aux, toutes ces choses-là. Mais moi, je dis encore que dans le monde artistique est trop compliqué. D'autres personnes, quand elles font, elles savent où elles vont. On sait comment ça se passe. Donc, quand tu prends ton pied, tu vas mettre quelque part. Obligatoirement, tu sais où tu es en train de t'aventurer. Bon, c'est comme ça. Bon, peut-être d'autres se retrouvent dans un piège. Ça, je ne sais pas, Naïbité, je ne peux pas savoir. Mais ceci dit, c'est vraiment compliqué. Bon, beaucoup de choses se disent. Oh, d'autres disent que oh, il est entré dans des choses. Maintenant, quand il veut sortir, on ne veut pas le laisser. Il y a trop de choses qui se disent. Est-ce que nous, on était là-bas? On était là-bas? Non. Comment on peut savoir? On ne peut pas savoir. Moi, je vais vous laisser mes loulous. Moi, je suis en train de travailler. Je suis en train de confectionner cette perruque-là pour moi-même. Donc, je suis en train de travailler. Vous connaissez, les perruques sont disponibles sur le site internet www.camoisbeauty.com. Celle-ci, elle est disponible au prix de 116 euros. Elle est disponible au prix de 116 euros. En noir, c'est 96 euros. Donc, je vais vous laisser. J'espère qu'on a passé un petit bon moment. Et voilà.